Seigneur est ressuscité. Chers amis, chers frères et sœurs, où que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus, le Christ, le ressuscité. Bienvenue à vous tous dans ce temps de culte de Pâques. Nous célébrons ce matin, ma consœur Agnès, Adeline Schaeffer et moi-même, la Pâque du Seigneur avec vous, où que vous vous trouviez. Nous sommes en communion avec tous nos frères chrétiens à travers le monde qui sont eux aussi dans ce temps de Pâques et qui célèbrent en même temps que nous ce moment, mais aussi avec nos frères juifs qui sont dans la semaine de Pessa et qui vivent en même temps que nous le moment de la libération. Nous avons une pensée particulière ce matin pour Samuel qui aurait dû recevoir le baptême dans notre église. Nous aurons la joie de baptiser Samuel après le confinement et nous lui souhaitons un bon temps de Pâques. Nous porterons dans la prière ce matin toutes les personnes qui luttent en ce moment même contre la maladie à l'hôpital, qui sont dans les affres de la peur et qui ont du mal à peut-être à sentir l'espérance et la présence du Seigneur auprès d'eux. Nous sommes avec eux dans la prière. Nous pensons évidemment à toutes les familles qui sont en deuil et que nous n'avons pas pu peut-être accompagner. Nous souhaitons qu'elles trouvent le réconfort et la consolation à travers nos prières et que nous puissions les entourer quand cette période si difficile sera terminée. Nous pensons aux prisonniers qui ce matin nous regardent peut-être du fond de leur cellule. Le temps de Pâques est un temps de résurrection et de libération et nous sommes conscients que ce confinement ajoute encore à leurs difficultés de vie. Nous pensons aux soignants qui sont au travail et qui ne pourront peut-être pas suivre ce culte en même temps que beaucoup d'autres à 10h30 le dimanche matin, parce qu'ils sont en train de soigner les autres. Bon courage à vous et nous vous soutenons dans nos prières. Nous pensons aux enfants qui ce matin n'ont pas pu aller chercher les œufs de Pâques dans le jardin, ou comme il est de coutume de le faire très souvent. Eh bien, sans doute, vos parents, les enfants, auront trouvé des stratagèmes pour vous faire chercher les œufs de Pâques d'une autre façon, peut-être dans l'appartement, qui sait. Pour entrer dans ce moment de culte, je vous invite à entendre ce poème de Sidney Carter en guise de louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Je dansais le matin lorsque le monde naquit. Je dansais entouré de la lune, des étoiles et du soleil. Je descendis du ciel et dansais sur la terre. Et je vins au monde à Bethléem. Dansez où que vous soyez, car, dit-il, je suis le Seigneur de la danse. Je mènerai votre danse à tous, où que vous soyez, dit-il, je mènerai votre danse à tous. Je dansais pour le scribe et pour le pharisien, mais eux n'ont pas voulu ni danser, ni me suivre. Je dansais pour les pêcheurs, pour Jacques et pour Jean. Eux m'ont suivi et ils sont entrés dans la danse. Je dansais le jour du sabbat, je guéris le paralytique. Les saintes gens disaient que c'était une honte. Ils m'ont fouetté, m'ont laissé nu et m'ont pendu bien haut sur une croix pour y mourir. Je dansais le vendredi quand le ciel devint ténèbres. Il est difficile de danser avec le démon sur le dos. Ils ont enseveli mon corps et ont cru que c'était fini, mais je suis la danse et je mène toujours le ballet. Ils ont voulu me supprimer, mais j'ai rebondi plus haut encore, car je suis la vie qui ne saurait mourir. Je vivrai en vous si vous vivez en moi, car, dit-il, je suis le Seigneur de la danse. Amen.
nous nous présentons devant Dieu. Le dimanche, les femmes se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Je vous invite à la prière. Éternel Dieu de la vie, nous confessons devant toi qu'il y a encore en nous des pierres trop lourdes à rouler, des pierres de rancune, d'orgueil, de convoitise et d'incrédulité. Elles ferment le tombeau de nos blessures secrètes et les cavernes obscures de nos souffrances cachées. S'il est vrai qu'au matin de Pâques, la pierre a été roulée, viens maintenant ôter la pierre qui ferme notre cœur. Nous te le demandons du plus profond de nous-mêmes. Roule la pierre de nos tombeaux, que ta lumière transperce nos obscurités. Roule la pierre de notre maison, de notre cellule, que ton souffle balaye nos inquiétudes et nos timidités. Roule la pierre de notre confinement et de nos peurs, que nos esprits s'ouvrent à la confiance. Roule la pierre de notre indifférence, que notre cœur s'élargisse à l'accueil et à l'amour du prochain. Roule la pierre de nos enfermements, que notre marche nous conduise sur des chemins d'espérance. Éternel Dieu de la vie, roule la pierre de notre incrédulité, que l'annonce de Jésus ressuscité devienne la grande rencontre de notre vie. Amen. Amis, frères et sœurs, voici comment Dieu nous redit sa grâce et son amour. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, est venu nous rejoindre au fond de nos abîmes. Il est venu partager nos interrogations et nos désespoirs, nos doutes et nos révoltes, nos souffrances et nos rejets. Il nous rejoint là où personne d'autre ne peut nous rejoindre. Il nous accompagne là où personne d'autre ne peut marcher avec nous. Il nous accepte là où nous ne nous acceptons pas. Il nous pardonne là où d'autres, à commencer par nous-mêmes, nous jugent impardonnables. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, Jésus-Christ vient nous chercher dans nos impasses et nos tombeaux. Il nous prend par la main, il nous tire vers lui, vers la lumière et vers la vie. Recevons de lui cette vie qu'il nous donne. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous unir par cette confession de foi. Je crois en Dieu, source de l'amour, Père de tout homme, toute femme, comme il est le mien, présent dans toute vie, comme il est dans la mienne. Je crois en Jésus-Christ, témoin incomparable de cet amour, frère de chaque homme, chaque femme, comme il est le mien, humanisant cette présence en toute vie, comme il le fait dans la mienne, appelant chacun, chacune à vivre et à annoncer cet amour, comme il m'a appelé. Je crois en l'Esprit Saint, renaissance infinie de cette présence et de cet amour, vérité que personne ne peut détenir, liberté que personne ne peut enfermer, douceur et tendresse de la vie de tout homme, toute femme, comme de la mienne. Consolation et guérison du chagrin de tout homme, de toute femme, comme du mien. Rythme et mélodie du chant de tout homme, toute femme, comme du mien. Pardon, grâce et paix de la fragilité de tout homme, toute femme, comme de la mienne. C'est ce que je crois aujourd'hui. Demain, renouvelé, je le dirai autrement.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Au moment de lire l'Évangile de la Résurrection, nous prions ensemble avec Maître Eckhart. Ô richesse élevée de la nature divine, montre-moi ton chemin, que dans ta sagesse tu as ordonné, et ouvre-moi le si précieux trésor auquel tu m'as convié. Comprendre avec intelligence au-dessus de toute créature, aimer avec les anges et être familier avec ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Hériter de toi et t'accueillir selon ta sagesse éternelle. Seigneur, ouvre nos âmes à ta parole. Amen. Dans l'Évangile de Marc, comme toute cette semaine nous avons lu, nous lisons ce matin d'abord au chapitre 14, versets 50 à 52. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit, tout nu. Voilà ce verset qui vient du passage où Jésus est arrêté au jardin de Gethsémani. Et un jeune homme apparaît, surgit et s'enfuit. Et dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 16, versets 1 à 8, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre qui était très grande a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié ? Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Le voici, le message de la bonne nouvelle de la résurrection dans l'évangile de Marc. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Incroyable fin que nous propose l'évangile de Marc. Un événement extraordinaire qui reste là dans le secret du cœur de trois femmes tétanisées par la peur. Cette première finale de Marc, cette première fin de l'évangile, montre des débuts apostoliques difficiles. Dans une telle situation, que serait devenu le groupe de personnes qui suivaient Jésus et mettaient sa foi en lui, si la peur était restée celle-là, si elles n'avaient rien dit à personne, ces femmes? Et que serait-il advenu de l'Église de Jésus-Christ? Aurait-elle seulement vu le jour, si les choses en étaient restées là, sans témoignage, avec seulement la peur? La première fin de cet évangile, car il y en a plusieurs dans l'évangile de Marc, écrites successivement, est marquée par la peur. Une peur compréhensible, si l'on se remémore la cruauté dont ces femmes ont été témoins lors de la crucifixion de Jésus. Une mort infamante, et dans Marc décrite comme un moment d'abandon absolu, puisque même ceux qui ont été crucifiés avec Jésus l'insultent là où ils sont suppliciés. Dans la Passion selon Marc, Jésus n'est le Seigneur de personne à la fin. Il ne promet de place au ciel à personne et sa solitude est complète. Pas de bon larron. Une peur compréhensible donc, surtout si l'on comprend les enjeux qui sous-tendent la disparition du corps de Jésus. Dans la tête des femmes qui sont venues l'embaumer, les questions se bousculent. Qui est venu voler le corps? Pourquoi?
comment cette pierre énorme a pu être roulée avant même qu'elles arrivent au tombeau et par qui? Une peur bien compréhensible aussi, quand on imagine ces femmes entrant dans le tombeau et se retrouvant face à un jeune homme vêtu de blanc. Ou bien est-ce l'accomplissement de la parole prononcée par Jésus ? Après mon réveil, je vous précéderai en Galilée, qui fait tellement peur aux femmes, car elles se souviennent de la référence que Jésus fit alors au prophète Zacharie. Je frapperai le berger et les moutons seront dispersés, dans Zacharie 13, 7. Les femmes comprennent sans doute que l'accomplissement de la prophétie de Zacharie n'est pas sans conséquence pour elles aussi. Ne sont-elles pas parmi les moutons d'Israël ? Quel est ce signe ? Comment déchiffrer ce tombeau vide ? Le messager dans le tombeau ressemble à une mémoire vivante qui rappelle les femmes au dire de Jésus. Elles qui croyaient à une fin de leur service après la mort de Jésus se retrouvent menacées à leur tour par les conséquences de cette fin, par les suites de cette fin abrupte, par le prix de ce vide inattendu. En toile de fond de la Passion de Marc, les prophéties de Zacharie nous parlent de trois bergers qui sont frappés et destitués dans Zacharie 11, 8. Peut-être les trois pouvoirs, religieux, politiques et militaires. Le prophète nous parle de moutons décimés, de catastrophes pour Jérusalem et pour toutes les nations qui sont venues la combattre et l'assiéger. Puis Zacharie nous parle d'une nouvelle alliance à d'autres conditions, avec d'abord une fuite dans les montagnes de Galilée, puis une consécration de Jérusalem au Seigneur. Les signes de cette consécration seront les suivants : plus de marchands dans le temple, dans la maison de Dieu, une marmite de viande de sacrifiée dans chaque maison, comme si chaque maison devenait un temple du Seigneur, et plus personne pour prophétiser à la place de Dieu, comme si la voix de Dieu était entendue de tous et n'avait plus besoin des prophètes. Voilà ce qu'avait annoncé la prophétie de Zacharie. Une destruction du monde ancien et une nouvelle Jérusalem, fondée sur la fidélité et la foi sincère en Dieu. Alors, quand les femmes découvrent le tombeau vide, elles ont de bonnes raisons d'avoir peur du signe, ce signe annonciateur que ce vide représente. Car pour elles, il est annonciateur des prophéties de Zacharie. Les références que l'auteur fait à Zacharie nous laissent penser cela. C'est le propre du vide de provoquer la peur. En effet, quand on ne peut plus se rattacher à rien, quand il n'y a plus aucune référence connue, la peur du lendemain commence. Si le corps de Jésus avait été embaumé par les femmes au matin de Pâques, c'est la foi elle-même qui aurait été embaumée, conservé dans le parfum nostalgique du passé, dans la tradition séculaire de l'adoration des reliques. Si au matin de Pâques, les femmes avaient trouvé la dépouille mortelle de Jésus dans le tombeau, si elles avaient trouvé le Nazaréen, sans doute le Christ ne serait jamais advenu. Car le tombeau, ici, n'est pas un reliquaire devant lequel on s'agenouille. Le tombeau vide est plutôt comme le Saint des Saints, une expérience du vide qui dit le sacré de Dieu. La fuite des femmes devant le tombeau laissé vide est le symbole qui nous relie le plus justement à l'événement Christ et à cet événement qui survient dans l'espace laissé libre pour Dieu, pour l'indicible divin, pour l'inestimable sacré de nos vies. Ce n'est donc pas une religion instituée dont les femmes ont maintenant à témoigner, mais d'un événement qui bouleverse le temps et l'espace dans lequel s'accomplit la réalisation d'un monde nouveau, converti à d'autres règles, à d'autres exigences. La première Église elle-même a eu peur de ce vide et a voulu le combler avec une dogmatique qui fixe l'orthodoxie de la foi.
En effet, un peu plus loin, après cette première finale de Marc, on trouve un texte ajouté qui dit « Puis il leur dit « Allez dans le monde, entrez et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est en Marc 16, 15-16. On constate ici combien ce vide laissé par le Christ est comblé par ceux qui ont peur de la liberté des croyants, de l'incertitude pour l'avenir de la communauté, et qui ont voulu très vite instituer des normes en plus des paroles de Jésus et des critères pour homologuer les bons chrétiens. La nouveauté fait peur. Et cette peur peut être soit stimulante, moteur de nos plus belles énergies pour vivre, pour ne pas lâcher demain, pour inventer l'avenir. Mais la peur peut aussi nous tétaniser, nous empêcher de nous laisser inspirer. La peur décuple nos forces pour sauver notre vie ou celle des êtres aimés, mais elle peut aussi anéantir ces mêmes forces et nous empêcher d'avancer vers demain. En ce matin de Pâques, nous sommes enfermés avec la crainte d'une attente, la crainte d'une atteinte à notre vie et à celle des autres. Et dans cette peur de l'avenir naissent d'autres peurs, la peur de ne plus rien maîtriser avec nos forces humaines, la peur de perdre le pouvoir sur nos vies et nos projets, la peur de ne pas retrouver le monde d'hier, demain, quand tout sera fini. La peur de ne pas retrouver tous les amis et de découvrir que le fléau a frappé ceux qui nous étaient chers, sans que nous le sachions. Les faux prophètes se déchaînent en ce moment même sur tous les réseaux où la parole peut circuler librement. Non pas pour donner à chacun des encouragements et de l'espoir, mais pour s'appuyer sur la peur du lendemain, en la transformant en peur de Dieu. Et oui, la crainte de Dieu est redevenue tendance, semble-t-il. Le fléau auquel nous sommes confrontés est présenté par ces malins comme une punition de Dieu. Il préconise même la conversion de la foi confiante en crainte servile. Quelle misère de croire qu'on peut utiliser Dieu à ses propres fins d'orgueil et de pouvoir. La peur du vide permet cela, et ils sont nombreux en religion à utiliser cette réalité humaine pour prêter à Dieu leurs propres désirs, puisque Dieu est invisible et muet dans les formes habituelles du discours. Puisque le tombeau est vide, autant le remplir. Mais c'est précisément dans ce vide que Dieu se fait une place. C'est précisément là qu'il nous parle, qu'il nous suscite, qu'il nous inspire et nous insuffle la vie. En ce matin de Pâques si particulier, nous sommes devant le vide d'un tombeau. Et nous pouvons choisir entre l'enfermement dans la peur et la course pour rejoindre celui dont la parole consolatrice habite nos propres vides. Courir le rejoindre, mais c'est impossible, me direz-vous. Nous sommes coincés, confinés, contraints, empêchés. Nous attendons. Pourtant, c'est bien d'une libération dont il est question dans ce récit de résurrection. Jésus était enfermé dans la mort. Et pourtant, les femmes ne le trouvent pas dans le tombeau. Il ne les a pas attendues. Il en est libéré. Il existe autrement. Il vit, malgré la mort. Et le jeune homme vêtu de blanc, assis dans le tombeau, est comme une page blanche où les femmes peuvent elles aussi écrire librement la suite de leur chemin de foi. Comme le jeune homme nu qui échappe aux gardes au jardin de Gethsémani et qui réapparaîtrait ici. Il est la vie, celle qu'on invente à chaque pas, celle qui échappe et reste libre.
malgré la force, malgré les contraintes, malgré la peur, parole vivante qui ne se laisse pas supplicier. Jésus s'en est allé, il n'a pas attendu qu'on l'embaume. Il échappe à tous les pouvoirs qui voudraient l'utiliser pour leur propagande. Il est libre de tous les mausolées. Il passe, libéré de tout corps mortel. Parole éternelle donnée aux hommes comme un souffle. Il nous faut vivre, frères et sœurs. Il nous faut vivre. Mais pas pour la conservation de nous-mêmes, comme si nous étions destinés à devenir un jour des reliques. Il nous faut être des événements vivants, comme ce jeune homme nu qui surgit dans l'Évangile, nu sous son drap blanc, et qui laisse dans la main des gardes qui veulent le saisir le drap qui le couvrait, comme on laisse un linceul. Il est vivant, il échappe à toute contrainte, même celle de la mort. Il n'a rien d'un personnage historique dans l'Évangile de Marc, il est devenu symbole, langage de vie qui traverse le récit comme un trait de lumière. Il nous faut vivre comme Jésus lui-même a vécu, en jetant dans le temps et l'espace l'événement de sa venue, devenant ainsi le Christ, parce qu'il s'était laissé susciter par l'inattendu de Dieu, sauveur parce que mouvement du salut. Il nous faut être, sincèrement, pleinement, avec nos peurs et avec nos audaces, mais être en affrontant la vie qui nous est donnée, non pas avec la peur du lendemain, du moins pas en la laissant nous conseiller, mais en la conjurant par nos actes de foi. Beaucoup de nos concitoyens se mobilisent pour les autres. Chacun, là où il est, peut aider les autres avec ses possibilités propres. En soignant, en assistant les plus démunis, en continuant à distance son activité professionnelle, mais aussi en colportant l'espoir, l'amitié, la consolation pour ceux qui n'ont que leurs mots pour aider. En ces jours lourds, il faut tenir dans l'attente de jours plus beaux ou dans le courage de l'action solidaire. Laissons Dieu susciter en nous cette vie libérée de ce qui aurait dû être ou de ce qui n'aurait jamais dû être. Mettons notre énergie à garder la foi, l'espérance et l'amour gouverner nos actions. Rien n'est encore écrit puisque le tombeau est vide. Nous aurons des jours meilleurs et alors il nous faudra toute notre vitalité pour ne pas oublier ceux qui auront le plus souffert pendant ce temps, ce que Dieu nous confiera. Le Christ est sorti du tombeau. Courage, frères et sœurs, il nous précède et nous ouvre un horizon. Amen. Thank you.
Dans ce temps de confinement, l'Oratoire du Louvre reste en communion avec vous. Si vous souhaitez bénéficier des publications qui sont faites par l'Oratoire du Louvre en ce moment, vous pouvez rejoindre le site internet oratoiredulouvre.fr. Vous pouvez aussi rejoindre le fil WhatsApp qui existe aussi avec comme nom les nouvelles de l'Oratoire. Et puis aussi demander par voie de mail à recevoir la newsletter que notre Église éditera. La prochaine sera le 24 avril. Vous pouvez évidemment envoyer vos dons en ce temps de Pâques. C'est souvent la tradition de faire son don à l'Église. Et bien sûr, sans vos dons, l'Église ne peut pas continuer. Nous avons toujours des dépenses, quand bien même le temple et la maison presbytérale seraient fermés. Et donc, nous comptons sur votre générosité en ce temps de Pâques pour que l'Église puisse subsister et continuer son action d'évangélisation, son action d'annonce d'une bonne nouvelle pour ce monde qui en a tellement besoin. Donc vous pouvez faire vos dons par chèque, mais vous pouvez aussi le faire donc en l'envoyant par courrier postal aux 4 rue de l'Oratoire à Paris, dans le premier. Et puis vous pouvez aussi, bien sûr, sur le site internet, faire votre don en toute sécurité en cliquant sur le bouton « Donner ». Je vais maintenant reprendre le cours de ce culte en vous invitant à la prière. Seigneur, dans ce temps de confinement, ce temps où nous pourrions être claquemurés les uns sans les autres, inculque-nous la solidarité et la communion. Donne-nous, Seigneur, des cœurs confiants pour continuer à faire attention aux vies des uns et des autres. Donne-nous la patience nécessaire, Seigneur, pour que nous puissions être en communion les uns avec les autres et attendre patiemment que ton salut vienne. Seigneur, nous te prions pour tous les porteurs de peur dans ce monde, tous ceux qui utilisent cette peur, peur de toi, Seigneur, peur des fléaux, peur de la maladie, peur de la mort. Nous te demandons pour eux l'ouverture du tombeau. Nous te demandons pour eux la possibilité d'entrevoir ton amour éternel pour eux et pour tous ceux que tu portes dans ton cœur. Seigneur, nous te remettons toutes les familles en deuil. Pâques cette année sera sans doute très triste pour beaucoup. Donne-nous de les accompagner par la prière, puisqu'il est impossible de les accompagner physiquement. Permets qu'ils trouvent des oreilles attentives, des cœurs ouverts. Nous te demandons, Seigneur, pour tous ceux qui peinent à continuer à exercer leur emploi, où qu'ils se trouvent. Donne-leur, Seigneur, la confiance et la constance nécessaires à la bonne entreprise de leur métier. Nous te demandons, Seigneur, pour tous ceux qui ont peur dans leur vie, la sécurité, la sérénité que la foi peut donner. Donne-nous, Seigneur, des cœurs aimants. Permets que nous soyons toujours attentifs à la peur des autres et que nous-mêmes, nous ne succombions pas à la peur. Et ensemble, reliés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de se quitter.
au moins pour un temps, c'est le ressuscité qui vous envoie porter de l'Orient à l'Occident la proclamation sacrée et impérissable du salut éternel. Là où vous êtes, avec ce que vous êtes, vous pouvez donner des messages d'amour autour de vous. Vous pouvez être porteur de cette résurrection pour quiconque en a besoin et fait appel à vous. Alors, soyez porteur de cette résurrection-là. Le Seigneur vous bénit et vous garde dans son aube de Pâques. Joyeuse Pâques à tous.